3, 5, c'est trop dur, tu sais, moi le calcul. D'abord, ça ne dit pas dur, mais difficile. 1, 2, 3, 4, 5. Après, je ne sais plus. Est-ce qu'on que les âmes de 50 seront mieux comptées? Les 8 bêta. Il faut traverser ce fleuve. Ne craignez rien, il n'y a aucun risque. Oui, mais je vois des remous. Ce n'est qu'un peu de courant, nous ne serons pas emportés. Je connais bien cet endroit et il n'y a aucun risque. Et les crocodiles, n'y en a-t-il pas? Non, ici, pas d'animaux dangereux. Encore une fois, croyez-moi, nous passerons sans problème. Allons, ne traînons plus, la nuit va bientôt tomber. Les 8 hommes traversent le fleuve à gué et se retrouvent sur l'autre rive. Sommes-nous tous bien passés? Je crois qu'il faut nous compter pour vérifier que tout le monde est sain et sauf. Quel craintif! Compte alors! Approchez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Où est notre 8e compagnon? Tu vois, j'avais raison de craindre. Tu as dû faire une erreur. Laisse-moi recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, nous sommes que 7. Je suis sûre qu'un crocodile a dévoré l'un d'entre nous. Ce n'est pas possible. C'est la partie du fleuve sans crocodile. Je refais le calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne comprends pas. Attendez, à mon tour de nous compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous ne sommes que 7. Êtes-vous sûr que nous étions 8? Sûr, j'ai préparé et distribué 8 casse-croûtes ce matin avant de partir. Mais vous ne savez pas compter. À mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Petit lettre. Il commence à faire sombre. On y voit mal. Je recommence. Moi, je ne me tromperai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu ne fais pas mieux. Laisse-moi faire. Nous sommes bien faites. Décidément, aucun d'entre vous ne sait compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais qui est le manquant? Je ne vois pas. En tout cas, celui qui manque, c'est sûrement Moyer. Et nous l'avons perdu. Quelle est la cause de tant de chagrin? Nous étions 8 compagnons de voyage jusqu'au moment de traverser ce fleuve. Rendus de l'autre côté, nous ne sommes plus que 7. Nous avons beau compter et recompter, nous arrivons au même résultat. Il faut nous rendre à l'évidence. L'un d'entre nous a été emporté. Mais attendez, je vois bien 8 personnes devant moi. Vous vous lamentez pour rien? Tu insinues que nous sommes idiots? Non, je pense que vous y prenez mal. Avez-vous chiffré votre propre personne en plus des autres? Il me semble. Peut-être.
peut-être. Tu vois, tu n'en es pas certain. Tes compagnons non plus. Je vous propose une méthode pour montrer que vous êtes bien libre. Que chacun annonce un numéro dans l'ordre, l'un après l'autre à son tour. 1, 2, 3. Et chaque fois, je vous donnerai une tape sur la main. Ainsi, nous verrons que tout le monde a été inclus dans le compte. D'accord? Alignez-vous en file indienne et commençons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouf, nous sommes bien 8. Aucun de nous n'est perdu. Merci. Mais comme le dit un proverbe indien, mieux vaut le chier que d'être aveugle.